Bonjour, c'est Stéphane et on se retrouve pour une vidéo avis film. Pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 3 avril 2018. Il dure 1h50, action, arts martiaux, un film de Dimitri Donnellonis avec Alain Moussy, Jean-Claude Van Damme, Christophe Lambert et Mike Tyson. Je vais vous parler de Kickboxer, l'héritage. Un homme est ramené de force en Thaïlande pour combattre Thierry Makoku. Makoku, voilà. Enfin, Makoku, c'est un ancien ami de Tompo, hein. Tompo qui est mort du second film. Et un mystérieux homme affaires très riche emmène de force Kurt Sloan en Thaïlande pour disputer un match, mais Barcelone refuse. Et après, pour comme le sauvetage attrape sa femme pour lui faire un chantage. Et il est envoyé en prison aussi. Et c'est là qu'il voit qu'il a des anciens combattants de Tompo dans la prison. Et c'est là qu'ils se battent contre eux. Et c'est là qu'il rencontre un mystérieux homme dans la prison. C'est interprété par Mike Tyson, mes amis, et qui va lui apprendre la boxe, quoi, et quelques techniques. Et voilà. Après, dans la prison, on voit aussi des figurants un peu bizarres, comme un ancien footballeur très connu. Après, il y a aussi Jean-Claude Van Damme, qu'on l'appelle dans le film, je sais plus comment on l'appelle, Dupont, hein, je crois, je sais plus comment on l'appelle. Jean-Claude Van Damme est aussi dans la prison parce que il était associé et entraîneur de Kurt Sloan, hein, dans le premier. Il s'est fait torturer et il est aveugle, mais il n'empêche pas être très fort encore en combat. Il y a vous verrez dans le film, quoi, mais il est très fort dans le combat. Et c'est là qu'il rencontre le gros bonhomme, hein, le Makoulouda, il mesure 2 mètres 18, hein. Un très gros, un catcheur, quoi. Ça ressemble plus à un catcheur qu'à un gars qui fait du MMA. Hein. Et c'est là que très fort, et en plus il se drogue. Bon, après, voilà. Après, c'est à vous de voir ce film. Que je peux penser de ce film? Ça va, hein, c'est un bon film quand même. C'est pour ça que je mettrai la note de 3. Très bon film, j'ai aimé la mise en scène, des surprises. Il y a aussi Christophe Lambert, ça fait plaisir de le revoir dans un film, ça fait très longtemps. Français, un acteur français, hein, Christophe Lambert, ça fait plaisir de le voir dans un film, ça fait très longtemps. Et voir aussi un film avec Mike Tyson aussi. J'ai aimé, hein, les scènes de Mike Tyson qui se bat avec Kurt Stone. J'ai bien aimé. Voilà, quoi. Que je peux dire encore une fois, voilà, encore une surprise. Après, c'est un bon film. C'est bien regardé une fois dans la vie, quoi. Et voilà. Après, ce film-là, vous pouvez trouver qu'en DVD, partout. Voilà, quoi. Voilà, c'était le dernier film Kickboxer. Après, je sais pas. Ils annoncent encore un autre film, mais il n'est pas sorti encore. Ils annoncent cette année, mais
Il y a eu une bonne annonce qui est sortie là, mais je sais pas quand il sortira le film, je ne sais pas encore, mais voilà, mais c'est fini à la saga des kickboxers. Pour moi, le meilleur de toute la saga, c'est le premier. Mes amis, hein, le premier avec Jean-Claude Van Damme, voilà, pour moi c'est le premier, rien à dire, et voilà. Mais il a eu des surprises, hein, le 2 j'ai bien aimé, le 3 j'ai bien aimé, après les deux derniers, les reboots là, j'ai bien aimé aussi, voilà quoi. Bon allez mes amis, moi je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu, puis encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, vive le cinéma, et bye bye.